chanson, donc c'est un peu compliqué pour moi, je suis un tout petit peu gêné. Maintenant, ce que je vous propose, mademoiselle, c'est d'écouter les deux. Si vous êtes d'accord, c'est d'écouter les deux amis et mon ami Pascal. Et après, j'aimerais bien chanter un petit bout avec vous pour voir ce que ça donne, ce que j'aimerais. Ça, c'est canon. On va y aller, on va te laisser. Non, vous êtes vachement beau d'ici. C'est vraiment impressionnant d'ici, ouais, ouais. Vous jouez de l'arbre depuis combien de temps? Depuis, je sais pas, une vingtaine d'années. Wow. Bah oui, quand même. Alors allez-y, puis je vais essayer de vous retrouver sur quelques... Ok. Et je dis, bah justement, moi ce que j'aime bien, c'est les surprises, donc je m'attends à rien du tout, mais je m'attendais pas à ça. Donc, c'est magnifique. Merci, et nous non plus. Et nous non plus. Nous non plus, on savait pas. Alors d'abord, merci, parce que il y avait un mélange de pureté, mais surtout de grâce en fait. Ces petites notes japonaises de la chanson avec la harpe et tout, je trouve que ça sublimait les gimmicks. Donc, super chouette chanson. Trop bien. Il y a un côté très très enfantin dans ta voix et en même temps avec quelque chose de très adulte aussi. C'est assez bizarre ce mélange. Pardon ? Femme enfant, je disais. Oui, femme enfant. Voilà, ça veut dire qu'on est en fait bercé comme une comptine d'enfant, ce qui donne cet univers assez particulier. Et on s'est tous retournés, Marc est très ému. Ouais. Qui vont parler maintenant ? Merci. Je me suis retournée parce que obligé de me retourner parce que tu déchires. Donc voilà, mais j'ai pas envie de lutter contre Marc maintenant. Je sais pas si t'as chanté sa chanson. Parce que tu l'aimes vraiment à lui et son répertoire. En fait. Je vous aime tous. Ah, attends, ne chauffe pas alors. Parce que Mathieu Mazzotti, c'est quand même de la harpe au départ. Amel, le vrai challenge, c'est justement qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, voilà. Moi, je suis absolument fan de ce que tu nous as proposé ce soir et j'imagine que tout ce que tu vas nous proposer par la suite sera à chaque fois magique et exceptionnel. Donc, c'est sûr que d'avoir une personnalité comme toi et une voix comme la tienne dans une équipe, c'est évidemment une force énorme et donc, bienvenue. Si tu le veux. Ça se vend. Moi, tu m'as fait rêver, en fait. Il s'est passé quelque chose de complètement onirique. Je suis partie avec toi et peut-être qu'on ne m'attend pas du tout aux côtés de ce genre de voix qui sont tout en filigrane. Peut-être qu'on s'attend toujours à ce que je me retourne sur des voix qui ont, je ne sais pas combien d'octaves, mais moi, personnellement, je m'en fous des octaves. Enfin, ce qui est très, très important, c'est d'être juste, quelle que soit notre tessiture vocale. Et dans ta justesse, il y a la justesse de qui tu es. En fait, moi, j'ai entendu la petite fille dont tu lâches jamais la main, j'ai entendu la femme qui a envie d'être comme elle est, et pas autrement. Je pense qu'il n'y a personne d'autre à part Justine qui chante Les yeux révoltaires comme ça. Moi, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est le fait que j'ai reconnu ton identité tout de suite. Pour moi, tu es déjà quelqu'un lorsque je te vois à côté de cette harpe et que je vois ta dégaine et comment tu es. Donc moi, j'adore travailler avec une personnalité au-delà d'une voix qu'en plus tu as. J'adorerais travailler avec toi.
Ça y est, Gustine, il faut choisir. Ouais, c'est chaud. Là, j'avais pas envisagé ce cas de figure. Alors, musicalement, j'aime bien les deux garçons. Mais, je fais bien un peu le suspense, hein, désolé, mais en même temps, j'ai été assez sensible à ce que m'a dit Laura. Ouais, j'ai pas été bonne. Du coup, hey, je sais pas. Je dois choisir vite, hein, là, c'est ça. Hein. Tranquille, prends ton temps. C'est bon. Ok, bah, je fais comme ça et... Allez, Lara. Merci, ma belle Lucie. Merci, Lara. C'est magnifique. Non, et encore merci pour ce bonheur. Merci d'avoir proposé cette chanson. Ça me touche beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Marc Lavoine qui vient chanter avec moi, j'avoue que c'était complètement improbable. Mais c'est pour ça aussi que je fais de la musique et que des fois je me lance des défis comme ça parce que ça débouche toujours sur des choses imprévues et j'aime ça. Rock and roll.